13 heures passées de 14 minutes, je vous l'avais annoncé juste avant de recevoir Monsieur Jimmy Mukendi Chimanga, candidat 707, Lukunga 303 Ngaliema, que nous venons de recevoir. Nous avons entendu juste avant Madame Marie-Josée Ifoku, candidat numéro 9, élection présidentielle. Madame Marie-Josée Ifoku, qui est avec nous dans le studio, ceux de YouTube s'en sont rendus compte depuis quelques instants. Madame Marie-Josée Ifoku, bonjour. Bonjour, monsieur le Sapé. Alors, vous, candidat à l'élection présidentielle, vous nous venez avec une nouvelle proposition, mais surtout un constat. Selon vous, l'élection présidentielle ne sera pas organisée le 20 décembre. Ben, j'ai suivi votre émission. J'ai suivi votre émission avec Denis Kadima. Il l'a dit quasiment à demi-mot. Il l'a dit. Selon ce que j'ai suivi, clairement, il est dans l'incapacité d'organiser les élections, les équipements ne sont pas totalement arrivés. Et avec le grand pays que nous avons, je pense qu'il aura du mal à aller déposer ses équipements dans chaque bureau. Non, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il cherchait le matériel. Il a demandé au président de la République d'intervenir. Et selon les informations, notamment via l'Angola, le matériel a été mis à disposition de la CENI. Ah bon ? Selon les informations que l'on a. Non, vous êtes journaliste. Allez vérifier alors. Thierry Kambundi. Le matériel a été mis à disposition. Les avions. Oui, au plus. Non, les avions doivent arriver avant mercredi. Ce que l'on sait, c'est que en termes des lots, des matériels de la CENI, c'est une partie est arrivée le week-end, mais par rapport aux avions sollicités par la CENI auprès du gouvernement ou du président de la République, apparemment le gouvernement a obtenu de l'Angola un appui. Mais il faut que tout cet appui soit à disposition d'ici mercredi. Avant mercredi pour que ce soit réalisable. Ça, c'est l'information qu'on a. Même si ça serait d'ici mercredi, franchement, vous pensez que c'est réalisable ? Lui-même, il a dit, non, nous sommes dans la saison de pluie. Le grand pays qu'on a, on a des problèmes d'infrastructure. Comment acheminer toutes ces choses à travers la République ? Il a dit aussi que s'il a tout cela, les élections auront lieu. Bon, moi, personnellement, je pense que ça ne vaut pas la peine. Vous n'y croyez plus ? Non, je n'y crois pas. Je n'y croyais pas depuis un bon bout de temps. En réalité, depuis le 13 novembre, lorsqu'il y a eu ce cadre de concertation entre candidats président de la République et la CENI, j'avais déjà compris qu'il y a un grand souci et qu'ils auront du mal à aller à ces élections. Déjà pour la simple et bonne raison, eux-mêmes le disent, ils ont eu 28 mois de retard pour commencer. Alors dites-moi, par quelle magie ils vont y arriver ? Alors pourquoi aller à des élections bâclées ? Moi, je voudrais tout simplement responsabiliser d'abord la classe politique et le peuple congolais lui-même. En fait, ma proposition ne change pas de mon propre programme de gouvernance. C'est toujours le même programme et je le réduis autrement. Enfin, je le présente autrement. Oui, madame. Vous y allez très fort. Vous allez à l'extrême. Votre proposition, c'est carrément une transition de 3 ans. Ça veut dire qu'on s'est préparé pour des élections qui doivent avoir lieu dans moins de 10 jours. Vous estimez que la CENI ne sera pas prête ? Non. Mais vous ne proposez même pas une prolongation d'une semaine ou deux, ou même un mois, mais carrément 3 ans de transition. Tout remettre en question. Oui, je voudrais que le peuple congolais me comprenne. On ne peut pas continuer à jouer. Pour moi, on joue, quoi. Franchement, je suis une femme responsable. J'ai des enfants. Et je me dis, à un moment donné, je parle au peuple congolais. On est dans du à peu près.
On n'est pas dans un réel état. Je ne cesse de vous le dire. On joue. Et on travaille de manière superficielle. On joue avec 100 millions de gens qui souffrent. Moi, je voudrais comprendre, ces élections, si on les organise, quelle est la différence avec les trois autres cycles électoraux? Je ne vois pas vraiment la différence. Mais en plus de cela, on a dépensé bien plus que cela. Donc, 1,2 milliard de dollars pour organiser des élections qui risquent d'être chaotiques. C'est ainsi que moi, je propose au peuple congolais qu'on s'arrête un peu. Voilà ma proposition réellement pour qu'on puisse me comprendre. Je propose une transition. En fin de compte, je vous ai dit, je suis en train de prendre de mon programme. Parce que si on m'avait élu président de ce pays, mon mandat était une forme de transition. Je l'ai déjà eu à le dire. Et donc, en proposant cette transition-là, je ne le propose pas pour Marie-Josée Foucault. J'ai dit, on fait 3 ans de transition. Les acteurs qui conduiront cette transition-là n'auront pas le droit d'aller aux prochaines élections. Comme ça, il n'y aura pas partage de gâteau et comme ça, la situation sera moins tendue. Puisque le combat aujourd'hui se passe entre Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et le FCC qui ne s'est pas retrouvé dans le jeu. C'est ça le tableau. Mais nous avons tous suivi la gestion de ces trois grands groupes. Je parle au peuple congolais, nous avons suivi leur gestion. Qu'est-ce que ça a donné nécessairement? C'est une opportunité, juste récemment terminé s'il vous plaît, c'est une opportunité pour que les trois groupes aillent un peu se reposer, prennent le temps de réflexion, laisser un groupe de Congolais qui peuvent conduire une transition pendant 3 ans et nous emmener à une nouvelle république et organiser des élections crédibles et transparentes. Parce qu'aller comme on est en train d'aller, je vous assure que ça peut exploser à tout moment. Et moi, je pense qu'on devrait arrêter cela bien avant. Sur quelle base ils vont aller se reposer et vous laisser gérer? Et mais puis, je ne parle pas de moi, oui. C'est pas que c'est Marie-Josée qui va gérer. Pas vous. Ceux-là qui vont gérer. Oui. Mais le pays ne leur appartient pas. Il appartient à tous. À tout le monde. Ils ont le droit. Alors pourquoi ce sont ces trois grands groupes qui doivent tout le temps décider à notre place? Mais pourquoi vous les écartez? Non, je ne les ai pas écartés. J'ai fait une proposition. Parce que d'habitude, pourquoi les Congolais ne veulent pas des transitions? Parce qu'on va au dialogue. Après, il y a une transition et c'est un partage de gâteau. Donc moi, je viens avec une autre proposition. C'est une transition, mais le dialogue qui aura lieu, on retient que... Il n'y aura pas... Tout simplement, s'ils veulent travailler, ils peuvent travailler. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent entrer, mais ils n'iront pas aux élections dans les 3 ans après, à la rigueur. Bon, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas pour la première fois que vous proposez une transition de 3 ans. Oui. Mais la question, j'y reviens, vous la ramenez aujourd'hui, alors que des fonds importants ont été investis, presque 1 milliard de dollars américains. Mais pour que ça donne quoi? Pour que ça donne quoi? Je vous pose la question. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen... de se donner un peu de temps pour rectifier les tirs, il faut faire table rase, tout jeter à l'eau. Ça ne changera rien. Vous allez me donner raison si on y va comme ça. On reviendra, vous m'inviterez encore. Madame Marie-Josée Foucault, vous êtes candidate présidente. Vous connaissez très bien que la RDC, notre pays, c'est une démocratie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des tests de loi qui organisent la société. Votre proposition des lois faites viole justement la loi. Comment est-ce qu'on doit quitter les cadres constitutionnels qui déterminent les modalités d'organisation des élections dans notre pays pour atterrir rapidement comme ça dans une transition de 3 mois? C'est quoi les mécanismes? Pas 3 mois, 3 ans. 3 ans, c'est quoi les mécanismes qui vous autorisent? Quels étaient les mécanismes? Quels étaient les mécanismes lorsqu'on n'a pas organisé les élections en 2016? J'aurais aimé vous voir réagir fortement, les journalistes. Quels étaient les mécanismes? Comment on allait réagir, nous? Non, je demande justement, parce que ça semble déranger tout le monde, mais en 2016, il devait y avoir élection, non? Oui. Est-ce qu'il y a eu élection? Non. Alors, parler de la Constitution en ce moment-là. Mais justement, c'est une situation 2016, qui violait la loi et qui a été dénoncée par la classe politique, dénoncée par ceux-là qui sont justement dans cette démocratie et qui souhaitaient que la loi soit respectée. C'est un cas de jurisprudence, ça a créé un précédent. Alors, retournons à ce précédent-là, mais faisons les choses, pas pour l'intérêt d'un groupe de gens. C'est ça ma frustration. Qu'il faut interroger les raisons qui ont poussé à ces glissements. Nous sommes dans un contexte particulier. Vous dites qu'il y a un problème logistique de déploiement des matériels qui devaient justement permettre l'organisation des élections. À quel moment on quitte les problèmes logistiques à un glissement ou à une transition de 3 ans? Parce qu'en réalité, je vous ai dit, nous sommes à notre 4e cycle électoral. Je ramasse le tout. Et je suis convaincu que ça ne changera rien. Vous le savez tous aussi. Le pays n'ira pas nécessairement mieux. Parce que nous avons déjà vu la gestion de tous ces gens-là. Est-ce que ça a apporté quoi au pays? Il faut que les Congolais prennent le courage de faire les choses autrement. Pourquoi continuer à accepter à être traité comme des esclaves dans son propre pays? Pourquoi? Moi, je suis révolté. J'essaie de pousser le Congolais à une révolution. Mais une révolution qui ne va pas nous pousser dans la rue pour qu'on tue les nôtres, mais qui comprennent qu'on peut faire les choses autrement. Des élections pour en faire quoi? 1,1 milliard de dollars pour en faire quoi? C'est ça ma question. Pour que quand les élections vont passer, vous allez voir ce qui va se passer là. Dès qu'on va déclarer tel candidat ou un autre, la rue va s'enflammer. Ça sera pour quel...
quel objectif toutes ces élections-là. Donc moi, je suis en train, à travers ces genres de problèmes, je reviens avec ma proposition, qui est ma propre vision, mais je ne veux pas que ça soit la mienne. Je vous ai bien dit que ce n'est pas important que ce soit Marie-Josée qui porte cette vision-là. Quelqu'un d'autre peut le faire. On s'assoit sur une table, comme on l'a fait en 2016, mais cette fois-ci, pas seulement avec les politiciens, avec tout le monde. Oui, mais est-ce qu'on a le temps de la... Est-ce qu'on a encore le temps des dialogues ? Transition de 3 ans, peut-être bonne idée. Transition de dialogue avec des animateurs qui ne pourront pas se présenter aux prochaines élections, peut-être bonne idée. Mmh. Mais combien de temps faudra-t-il pour trouver ces animateurs qui vont diriger pendant 3 ans dans un contexte constitutionnel à définir, qui n'auront pas ou qui, au début, déclareront ne pas avoir d'ambition pour la préélection. Ça fait beaucoup. Alors que plus simple serait de dire, prolongeons de 3 mois peut-être, ce serait plus simple, le temps que la CENI, si elle obtient le matériel, vous avez entendu l'émission, vous savez que dans les précédents scrutins ou processus, on avait dit qu'il faut 60 jours pour tout déployer. Pourquoi pas 60 jours à 90 jours pour tout déployer et avoir des élections saines? Moi, je vous dis qu'on n'est pas dans le même état d'esprit. Je suis dans un autre combat. Et ces combats-là, je le porte dans ma vision de la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Et c'est une vision que je ne demande pas à la porter nécessairement. Mais j'ai dit que c'est une vision qui est salvatrice, nous permettre de passer à autre chose. Même si on organisait ces élections dans 3 mois, vous le savez tous comme moi, le peuple ne se retrouvera pas plus. Ça fait 63 ans que nous sommes soi-disant libres pour pouvoir gérer notre pays. Mais quelles sont les solutions? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons fait pour aider le peuple congolais à sortir de sa misère? Moi, je profite de cette situation. Vous voyez le nombre de candidats que nous avons? Je ne sais pas si vous voyez le nombre de candidats. Et quand vous regardez le nombre de candidats que nous avons aussi, ce sont les familles, c'est les épouses, c'est les sœurs, les cousines. On va où, peuple congolais? À un moment donné dans la vie, je parle au peuple congolais d'abord, pas aux politiciens. Il n'y aura aucune solution si nous continuons comme ça. Même si nous retardons les élections de 3 mois, j'essaie de faire comprendre au peuple, nous n'y arriverons pas. Les Congolais veulent du neuf. Les Congolais veulent un changement. Et c'est de ce changement-là que je parle. Arrêtons ces élections-là inutilement et passons à autre chose. C'est ça ma proposition. Madame Marie-Josée Ifokou, dans l'interview diffusée juste avant votre arrivée, vous avez lancé votre message au président de la CENI. Vous lui demandez de dire qu'il n'est pas à mesure d'organiser les élections. Tout à fait. Mais dans le développement, justement, ici, dans l'émission, on comprend que votre message s'adressait plus au président de la République. Vous demandez au président de la République de suspendre le processus et de convoquer la classe politique au dialogue, concrètement. Il fait partie de la population pour moi. Même s'il est président de la République, c'est un Congolais d'abord. Je parle de Congolais, la population congolaise. Je m'adresse d'abord à la population congolaise de manière générale. Mais c'est au président d'élever l'option politique. Il m'entend aussi, non? C'est une proposition que je suis en train de faire. Vous savez, à un moment donné dans la vie, il faut prendre le courage de dire que ça ne va pas. C'est aussi ça, gérer. C'est aussi de la gestion. De reconnaître que on n'a pas bien avancé, on n'a pas fait les choses comme on aurait aimé. C'est une opportunité pour nous tous de sortir de toute cette pression. L'atmosphère est tendue. Il suffit d'une aiguille pour que ça explose. Et moi, je viens comme une mère pour dire que arrêtons cela. Nos enfants risquent de mourir inutilement et vous allez continuer à vivre. Faisons les choses autrement. Madame, restons dans votre vision des choses. Vous parlez de transition des 3 ans. Les acteurs sont convoqués pour diriger. Ça sera quoi la composition de l'architecture des institutions en ce moment-là? Comment est-ce que le pays sera dirigé pendant ces 3 ans? Je viens de le dire qu'il y a eu le cadre, en 2016, les politiciens s'étaient assis autour d'une table. C'était, comment on appelait cet accord-là, la Saint-Sylvestre. Moi, je demande qu'on s'assoie autour d'une table, pas au-delà d'un mois. C'est à nous de décider. Mais il faudrait que cette fois-ci, il n'y ait pas que les politiciens. Je fais entrer tout le monde, les politiciens, les chefs coutumiers, la société civile, les femmes, la jeunesse, on s'assoit. On n'est pas là pour les débats qui n'en terminent pas. Il y a le feu dans la maison. Si nous-mêmes ne le faisons pas, je ne cesse de vous le dire, d'autres vont le faire à notre place. Parce que c'est comme si nous ne comprenons pas que nous sommes un pays des grands enjeux de sécurité mondiale. Il faut qu'on le comprenne. Alors, jouer à ce qu'on est en train de jouer, à un moment donné, il y a des gens qui vont s'occuper de vouloir nous arracher ce pays. Madame Ifokou, et j'essaie tout simplement de sauver le pays. Oui. Vous êtes candidate présidente de la République. Vous avez dit que pour le moment, ceux qui mènent le jeu, c'est les camps Tshisekedi, les camps Katumbi et le FCC à peu près. Oui. Si vous, candidate numéro 9 à la présidentielle, vous serez retrouvée parmi les favorites ou à l'une de ces positions, à
à moins de 10 jours des élections, vous auriez accepté la proposition d'une transition, de faire table rase alors que vous étiez, enfin, vous seriez pressenti président de la République ou vous seriez parmi les favoris? Sincèrement? Sincèrement? Si, vraiment, vous êtes. Sincèrement? Oui, oui. Oui, parce que je veux que vous compreniez mon état d'esprit. Je sais qu'aller aux élections, ce n'est pas évident, même si je serais populaire de les gagner, parce que je vous dis que ce n'est pas trop différent des trois autres. C'est peut-être pour ça que vous dites, faisons table rase. Pas du tout, parce que je viens de vous expliquer que le but ici, ce n'est pas nécessairement que ce soit Marie-Josée. On est en débat. C'est une proposition que je fais aux Congolais. Eux-mêmes, ils savent. Il n'y a pas grand-chose qui sera changé après les élections. Donc, c'est une proposition. Même si j'étais favori, candidate, la plupart des Congolais qui m'écoutent, hein, si mon message arrivait au fin fond, je serais seul que les Congolais choisiront. Mais le but n'est pas celui-là parce que, je vous ai déjà dit, rien qu'à regarder les candidats députés, c'est la famille. C'est la famille. Alors, dans quoi nous sommes en train d'aller? Ce sont les familles qui se constituent en clans. Vous voyez ce que je dis, pour gérer le pays, on n'est pas d'accord avec ça non plus. Ce sont toutes ces choses-là que nous pouvons balayer ou élaguer à travers ma proposition. Elle est sérieuse. Moi, je pense qu'il faudrait réfléchir là-dessus. Dans votre proposition, quel sera le sort du président en fonction? En 2016, le président en fonction était resté jusqu'à l'organisation des élections. Vous dites que cette fois-ci, transition des trois ans, les acteurs qui seront là ne vont pas se représenter. Le président Tshisekedi devient quoi? Mais le débat ici, le mandat du président Félix Tshisekedi prend fin, non? D'après la Constitution, il reste jusqu'à l'installation. Exactement, donc il est comme monsieur, madame, tout le monde, asseyons-nous. Et au bout de trois ans, il peut... Il ne peut pas se représenter. Mais bien sûr. Il ne peut pas se représenter. Non, après trois ans, mais bien sûr qu'il peut se représenter. Même s'il reste président de la transition. Non, je n'ai pas dit qu'il reste président dans la transition. Ça ne me fait pas dire des choses que j'ai dit. Oui, mais il deviendra quoi? Il deviendra qui? Oui, mais il deviendra monsieur, madame, tout le monde, parce que la proposition... Mais il est fin mandat. Il est fin mandat. Pourquoi est-ce que vous voulez lui donner une place spéciale alors que dans ce contexte-ci, il ne l'a plus là, dans ma proposition? La Constitution dit qu'il reste jusqu'à l'installation du... Non, la proposition ne l'a pas dit. C'était une... c'était la Cour constitutionnelle à l'époque de Kabila qui avait demandé à la Cour constitutionnelle d'interpréter cet article-là. Mais il paraît que ça n'était même pas arrivé jusqu'au bout. Il faudrait qu'on regarde là-dessus. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Je ne suis pas dans un débat politique. Je suis venu apporter une solution au peuple congolais. En comprenant ma solution, on peut aller vite et changer les choses. Parce que je vous dis qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous envient, il y a des gens qui veulent nous arracher notre pays. La seule manière de se mettre ensemble, c'est d'aller à travers cette proposition-là où les animateurs de cette transition-là ne pourront pas aller aux élections. Ainsi, ils pourront mieux préparer la nouvelle République et nous pourrons avoir une République où les gens gèrent, où nous organisons des élections crédibles et transparentes. On ne peut pas rester au niveau d'un discours. Voilà ma proposition. Merci beaucoup, Madame Marie-Josée Foucault, d'être venue nous expliquer à pied levé, c'est vrai, tout cela. Juste une question. La discussion pour la désignation des membres de cette transition, elle dure combien de temps? Moi, je demande un mois. Et vous pensez qu'en un mois, on peut le faire? On sera tombé d'accord. Monsieur Lusakweno, c'est pas une question de mettre les gens d'accord. Je demande à la population d'être aux aguets. On n'est pas là pour pouvoir satisfaire les politiciens que nous sommes. Nous sommes là pour trouver une solution, ça ne va pas. Le peuple meurt de faim. Le peuple est malade. Le peuple est détruit. Nous voulons une solution, un mois. Point barre la ligne. Et c'est au peuple de le faire. C'est une révolution mentale. J'appelle à la population congolaise. Un mois. Vous n'êtes pas d'accord, vous sortez de la discussion, on continue et on doit terminer. On peut le faire. Il y a le feu dans la maison. Ça ne va pas. Merci beaucoup, Madame Marie-Josée Foucault. Je rappelle que vous êtes la candidate numéro 9. Ici, on met une pause en campagne. On se retrouve à 15h. Tout de suite, excusez-nous du retard. C'est la grande édition du journal de 13h30 avec Roger Kalala Miouta. À tout à l'heure.